Bah alors, monsieur François Baroin? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Mardi matin, je me rends à mon labeur quotidien. J'essaye d'aller travailler un peu plus pour gagner un peu plus. Et qu'est-ce que j'entends? Comme ça, brutalement, vous m'insultâtes. Ah si, vous m'insultez. Ah si. Ah bah, excusez-moi, mais corbeau, ça n'est pas très affectueux comme petit nom chez nous. Je ne sais pas chez vous, mais corbeau. Si, ça m'a fait de la peine. Si vous l'avez dit. Écoutez. Attendez, parce que j'ai vérifié quand même, je me suis dit je suis fou, mais j'ai vérifié. François Baroin, vous avez récemment évoqué Internet et les réseaux sociaux comme étant la France des corbeaux qui se déversent dans un venin permanent. Qu'avez-vous ? Des corbeaux ! En plus, des corbeaux et du venin. Bon, je passe l'ineptie darwinienne, avançons. Qu'avez-vous voulu dire à propos d'Internet ? Qu'avez-vous voulu dire ? Oui. C'est pas Internet ou c'est pas les réseaux sociaux, c'est une avancée formidable, c'est un échange, on l'utilise tous. Ah pardon, mais écoutez, non, je vais dire ça pour vous aider, mais la phrase « oui, formidable, Internet, on l'utilise tous », c'est embêtant pour vous parce qu'on voit tout de suite que vous n'en servez pas du tout. Hein, ça fait phrase toute faite sur Internet du gars qui s'en sert pas et puis qui va mettre ça en préambule au mec qui va suivre. Hein, alors, au niveau com, je pense que vous devriez prendre une autre phrase un peu plus... un peu moins... Vous voyez ? Mais en revanche, les blogs... Quoi, les blogs ? Ah, parce que c'est les blogs, en plus, qui vont pas ! Oh, mais alors là, ça me fait beaucoup de peine, parce que moi, je suis blogueur, vous voyez ? Tout petit blogueur de rien du tout. Mais c'est ça qui est formidable ! Même un petit gars comme moi, de rien du tout, qui est dans sa cave comme ça, eh ben, il peut faire un blog ! C'est complètement incroyable ! Mais je vous expliquerai, si vous voulez, moi, je peux vous aider. C'est vraiment formidable, l'Internet. Ce serait mentir que de dire que... sur la toile un déversement d'inimitié, des gens qui écrivent n'importe quoi sur n'importe qui sans les connaître, c'est parfois effrayant. J'ai compris. Encore une fois, c'est dommage parce que là, vous montrez à tout le monde que vous connaissez pas Internet. Non, parce que ça, vous parlez des trolls. C'est normal, il y en a plein des trolls. Comme partout, mais vous voyez, c'est encore mieux. Bah, si vous pratiquiez un peu, vous verriez que c'est encore mieux, parce qu'avant, les trolls, ils étaient chez le coiffeur, ou ils étaient dans la queue chez le boucher. Vous voyez, ils disaient, ouais, monsieur Baroin, avec cette tête de Baroin, il sait même pas parler anglais, tout ça. Mais voilà, et ça se... Et tout le monde disait, et personne savait qui disait, et ça se répandait, c'était pas maîtrisé. Aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que ces choses-là que vous voyez remonter, en fait, elles sont tracées, tout ça. Il y a beaucoup plus de retours, beaucoup plus de retours à la source, vous voyez, c'est beaucoup plus facile pour vous d'identifier. Donc si jamais quelqu'un dit du mal de vous et que vous voulez porter plainte, vous pouvez beaucoup mieux le faire sur Internet, vous voyez. Alors si ça peut soulager, tant mieux. Non, je... Mais ensuite, c'est pris comme des informations, et c'est ça qui est terrible. Oh. Mais non, mais ça marche plus du tout, ce truc-là. Quoi, le coup de la rumeur sur Internet? Mais non, comme je vous disais... Alors, si vous servez d'Internet, vous connaîtriez un petit peu l'intelligence neuronale du système, n'est-ce pas ? Qui fait que la rumeur, contrairement à ce qu'on dit, les gens qui s'en servent pas, j'entends, ne peut pas survivre sur Internet, beaucoup moins qu'avant. Bah oui, parce que là, toutes les sources sont remontables à toute vitesse. Même sur Twitter, soi-disant, la rumeur part sur Twitter. C'est le contraire. Ça fait quoi ? Ça fait aujourd'hui, ça fait 3 heures, 6 heures, une rumeur. C'est rien du tout, avant vous disiez une bêtise dans Paris Match ou dans un off, ça faisait un mois, deux mois, et puis peut-être même pour l'éternité, la rumeur. La rumeur est beaucoup mieux contrôlée par la puissance du réseau. Non mais c'est vraiment important, cette histoire de rumeur, vous voyez, parce qu'avant la rumeur, eh ben, elle rebondissait de façon anonyme, d'anonymes en anonymes. On pouvait pas la maîtriser du tout, alors qu'aujourd'hui... La rumeur, pourquoi elle ne survit pas, finalement, dans ces sphères numériques? Eh bien, justement, parce qu'elle se propage de proche en proche, généralement sur des réseaux dits de confiance, c'est-à-dire que chacun engage sa crédibilité, sa irréputation, lâchons les grands mots, et donc, ce qui fait que, sur les réseaux sérieux, hein, je parle pas des ticoulogues, des blogs, machin, faut aussi regarder du bon côté aussi, hein, eh bien, ce qui fait que l'information s'autorégule, et que finalement, eh ben, il y a beaucoup moins de trolls que dans la vraie vie. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Eh ben justement, comme vous ne servez pas à vous, évidemment, ce qu'on vous remonte, c'est tous les vilains trollages et les tout trucs. Mais si vous regardez que ça dans Internet, évidemment, c'est pas joli, joli. Et malheureusement, j'ai un peu l'impression que vous ne parlez que de ça. C'est un peu comme je dis souvent, c'est comme si je jugeais la littérature française en disant c'est vraiment de la daube. Regardez, il y a Voici, Closer, tout ça. Non, on ne juge pas la littérature sur les torchons. On juge la littérature sur Victor Hugo et co. Enfin, je crois. Non, bah, Internet, c'est pareil. Parce que quand vous faites ces généralités sur les mauvais trucs, eh ben, c'est un peu comme si nous, on disait tous pourris pour les politiques.
Ah bah oui, c'est exactement la même chose. Il faut un petit peu de nuance et un peu plus d'intelligence dans le regard de... vers l'autre, n'est-ce pas? Je crois. Je trouve ça serait mieux. Pratiquez, vous verrez, c'est formidable. C'est ça, me semble-t-il, qui doit être en matière de protection des libertés publiques individuelles. Je vais vous donner un exemple. Ah, oui. Moi, je suis ministre du budget. J'ai la responsabilité de la protection de toutes les informations, toutes les données particulières des gens. Les vôtres, c'est ma responsabilité, c'est celle de l'administration, c'est celle des agents des impôts. Vous imaginez le jour où il y aura un Wikileaks, par exemple, qui tapera ses données personnelles, qui essaiera de le faire et qui les déversera sur la toile dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que ce sera un gain en matière de liberté individuelle, de liberté? Oui! Moi je suis pour! Oui, ben, je sais, ça vous fait peur. Et vous voyez, vous pouvez même pas comprendre ça, bon, je connais pas beaucoup. Moi je suis pour, hein. Tout le monde, allez hop, les déclarations d'impôts, tout ça, en lecture pour tout le monde. Oui. S'agissant de Wikileaks, encore une fois, on va vous n'utilisez pas, vous ne comprenez pas. Non, parce que vous ayez des griefs d'un point de vue légal, d'un point de vue des reproches à faire, bon, c'est votre problème, chacun son opinion. Mais il faudrait aussi voir aussi l'intention. Wikileaks, son intention, ce n'est pas du tout de nous donner la couleur du slip du voisin. Mais non, l'intention, c'est de donner des informations, certes, d'habitude cachées, mais pour plus de transparence et plus de démocratie. En l'occurrence, c'est pas pour faire des outings ou vous révéler des histoires salaces. Vous avez rien compris du tout, hein. Donc le coup de titiller les gens pour dire « Ouais, vous allez voir, si Wikileaks, ça va servir, ils vont vous sortir tout ce que vous gagnez, ils vont venir vous violer vos data privées. » C'est pas l'idée du tout, vous avez pas compris. Non, vous avez pas compris. Moi, je peux vous expliquer, vous avez pas compris. Liberté publique, de cohésion sociale, de contrat social. Donc, le contrat social et la cohésion sociale, moi je dis, si tout le monde sait ce que déclare tout le monde, ça sera pas pire, moi je dis. Non mais... Oui, il y a des choses à la fois qui doivent être condamnables et condamnées, il faut avoir le courage de le dire, et pour le reste... Avoir le courage de le dire. Ça mange pas de pain, dire des trucs comme ça. Le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens aussi sur tout ce qui concerne leur vie privée. Oui, mais d'accord, mais si on mettait des règles sur la vie privée, on était tous d'accord. Il n'y a pas de souci. Hein? Il suffit de se mettre d'accord sur les règles. En ce moment, les règles, elles sont plus adaptées du tout. Non, il faut les changer un peu. Oui, il y a des trucs qui ça va plus du tout. Ça a bougé un peu. Que ce soit sur la partie fiscale ou sur la partie médicale, il faut quand même réfléchir à tout ce qui se dit et tout ce qui se passe. Ah oui, parce que nous, on réfléchit pas, c'est ça? Non, mais je vous assure, vous devriez essayer Internet. Hein. Il y a des gens qui réfléchissent dedans, si. Mais faut essayer. Merci François Barouin d'être venu, non pas au micro, merci François, mais à notre antenne.